Maintenant, c'est l'heure de dire au revoir à mes amis qui m'ont hébergé hier soir dans leur humble demeure. Après 3 jours à la pluie, j'ai une petite ouverture de soleil aujourd'hui, je pense, j'en ai pour une demi-heure. C'est gris au loin. J'en profite pour tout faire sécher. Dernier mètre d'un col à 4800 mètres. 1200 mètres de montée aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je suis parti à 8 heures, c'était un beau gros soleil. J'étais vraiment optimiste. Je me suis mis en short, pis tout. Mais finalement, il est midi et c'est de la pluie verglaçante. Moins le fun. Hey! Non! Hey! Ah ouais, va-t'en! 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 Donc aujourd'hui, j'ai fini ma journée de vélo assez tôt. Je vous laisse deviner pourquoi. Mais dans ma malchance, j'ai trouvé une suite royale qui fait mon affaire. Attention, il faut baisser la tête. Et voici mon palace pour la nuit. Donc aujourd'hui, c'est le début de la fin. J'étais à 4600 mètres. J'ai quelques kilomètres en altitude, une vingtaine de kilomètres. Après ça, je commence une descente de 200 km vers la côte. Donc, c'est très gris. Il fait froid. Mais ça devrait se réchauffer au cours des 2-3 prochains jours jusqu'à temps que j'atteigne le niveau de la mer.
Donc, ça doit faire environ une heure que je descends dans un canyon. C'est plutôt spectaculaire. Là, je suis vraiment à veille de sortir des montagnes, j'approche de la côte. On peut le sentir parce que c'est de plus en plus désertique, puis c'est venteux. Visite des ruines de Tambo, Colorado, accessible en vélo. Là, je suis présentement dans mon Airbnb à Lima. J'ai fini de pédaler. La place est plutôt cool. Et là, c'est le parcours du combattant. Je vais faire rentrer mon vélo dans cette boîte-là avec tout mon équipement à suivre. Tadam! Quinto vídeo. C'est la flemme.